Le 29 mars, nous prenons une initiative peut-être un peu originale mais nécessaire. Il s'agit de renouer ou de nouer des liens entre le monde intellectuel et artistique et le syndicalisme. Non pas sous une version « on va développer les cahiers de revendications, examiner la situation des uns et des autres », ça n'est pas l'objet de cette journée. L'objet de cette journée, c'est effectivement de montrer que, ici ou là, déjà des comités d'entreprise prennent des initiatives dans le domaine culturel ou artistique, ici des pièces de théâtre, là de la photographie ou autre, au-delà de la billetterie traditionnelle. C'est une manière de répondre à un des objets du syndicalisme, qui est celui de l'émancipation. L'accès à la culture, d'une manière générale, fait partie de l'émancipation. Et ce que nous souhaitons, c'est que ces liens entre volontaires, bien entendu, libres, entre le mouvement artistique, le mouvement considéré comme intellectuel, le syndicalisme, notamment via les comités d'entreprise, se développent beaucoup plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc c'est une initiative originale, j'espère qu'elle sera amplement suivie par d'autres initiatives concrètes qui toucheront l'ensemble des salariés.